La muselière, c'est génial. Attendez, dans certaines situations, elle est surtout indispensable et qu'il faut l'apprendre non pas à certains chiens, mais à tous les chiens, quelle que soit leur taille, leur poids. Oubliez votre état d'esprit humain qui consisterait à dire que la muselière est une entrave. J'ai conscience que c'en est une. Dans le travail, moi par exemple, je m'en sers le moins possible ou alors sur de très très courtes périodes, mais j'apprécie pas plus la muselière que ça. En revanche, dans la vie quotidienne, vous savez, si vous voulez prendre le train, et bien si votre chien fait plus de 10 kg, il faut le museler. C'est pas le jour où on prend le train qu'il va falloir penser à lui mettre. Quand vous le faites sur l'instant, ça veut dire pas de phase d'apprentissage, traumatisme pour le chien. C'est bien avant pour lui apprendre, pour lui expliquer que ce n'est pas quelque chose de forcément très négatif. Pareil chez le vétérinaire, si vous lui apprenez la muselière au quotidien, et bien le jour où vous arrivez chez le véto et vous avez un chien qui apprécie pas être manipulé, ou qui est un petit peu tendu, ou tout simplement qui a peur, et ben ça vous permet de mettre la muselière avant de partir et de faire en fait une continuité très souple, très simple à sa vie. Lui ne sera pas traumatisé d'aller chez le véto et il verra ça comme quelque chose de tout à fait normal. C'est vraiment dans ce sens-là. Alors justement, je vais vous faire un petit tuto là pour vous montrer comment on la met facilement et simplement. Je vais vous expliquer tout le cheminement. Alors, première étape pour apprendre la muselière à un chien. Prenez votre muselière, une petite friandise, vous passez directement dans le trou, vous lui montrez. C'est bien mon titi. Et simplement vous posez. En gros, ce qu'il doit faire là, c'est commencer à s'habituer à avoir quelque chose et surtout se rendre compte que ce quelque chose est plutôt sympathique hein, puisqu'à chaque fois il mange. La deuxième étape, elle n'est pas compliquée. Vous prenez, vous mettez, vous attachez. Vous avez vu, c'est un petit peu plus long. Vous enlevez, vous retirez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous récompensez le chien. Donc ça, c'est la deuxième étape. On y va tranquillement, tout doucement. Il va falloir la reproduire un grand nombre de fois, cette étape-là, hein, afin qu'il ne stresse pas. Troisième étape, vous lui mettez, hop, vous la fermez tranquillement, vous laissez comme ça, et vous allez commencer en fait à récompenser avec le chien muselé. D'où le fait de prendre des muselières où le chien peut respirer à l'intérieur déjà, haleter, et surtout ouvrir la gueule pour pouvoir manger cette fameuse friandise que vous allez lui donner une fois qu'il l'aura sur lui. Alors, étape suivante, hop, c'est parti. Cette fois-ci, on met la muselière, on le met en laisse ce coup-là. Sortez vos petites friandises, on commence à marcher un petit peu, calmement. Lui, il est focalisé sur la friandise, il oublie la muselière. Et on récompense, et on lui tend les petites friandises, tranquillement. C'est bien, mon titi. C'est bien, mon bonhomme. Cette opération-là, pareil, vous allez le refaire plusieurs fois. Au départ, vous le faites 10 secondes, 15 secondes, vous enlevez la muselière et terminé. Vient l'étape d'après, l'étape un peu ultime. Le chien est complètement habitué au port de la muselière. Il est capable de travailler avec la muselière et il n'y a plus de problème. Iros, pas bouger, assis, pas bouger, pas bouger, couché. Excellent, au pied, assis, assis. Très bien mon garçon. Voilà, vous avez vu un petit peu l'ensemble des étapes avec un chien muselé. Résultat, une fois qu'il est muselé, lui ça lui pose plus aucun souci. Donc bien évidemment, c'est toujours plus agréable qu'il l'ait pas plutôt qu'il l'ait. Maintenant, quand vous allez chez le vétérinaire notamment, parce que c'est vraiment là un cas bien précis, je peux vous assurer que quand il faut le soigner, ou s'il a une otite, ou s'il a un problème, et que le vétérinaire doit travailler près de sa tête, je vous assure que lui ça le rassure, le véto. Et si le véto est rassuré, il soigne bien mon chien. Le plus important de tout, c'est votre chien. Vous, ce que vous avez envie ou ce que vous pensez, on s'en fout. Si votre chien est mieux soigné avec une muselière parce que ça rassure, point barre, la question ne se pose même plus.